bienvenue pour cette rediffusion du Not So Very. Nous sommes en live sur Twitch, il est mercredi 21h01. N'hésitez pas à nous rejoindre avant que le Not So Very se termine. De toute façon, il y a toujours des lives. Vous pouvez arriver toujours en cours de route, il n'y a aucun problème. On est là, on vous accueille, les bras grands ouverts et les jambes aussi. Ça dépend qui, hein. Faut envoyer un CV, tout ça, photo, tout ça, mensuration, taille au garrot, bien sûr. Ça. Et on retrouve notre petite familia. Petite familia qui est triste ou nette. Il y a le Hulk qui, voilà, et ça dort. Triste ou nette, hein, parce que, souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons perdu un membre de notre famille dans des circonstances peu ragoûtante parce que cette personne a bavé partout dans la chambre avant de s'écrouler raide morte. C'était Manon des sources, Manon la mère de nos enfants, Manon la femme de Totoya, notre femme de ménage, puisque depuis la poussière règne en maître dans la maison. Elle était belle, elle était utile. Mais elle s'est fait bouffer le doigt par Merguez et ce fut l'oraison funèbre pour elle quelques temps après. Voilà. Adios, Manon. Et Marine, ici présente, qui est sa créatrice, n'est quand même pas contente du tout de la tournure des événements. Moi, bien sûr, je me suis déchargée, hein. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. Moi, j'ai proposé. Qu'est-ce que tu fais, toi, là, petit con? Oh, je t'ai dit là, il joue avec le dragon. Tabarnak. Laisse ta soeur tranquille. Alors, on a relooké Pomme. Pomme fait peur. Pomme n'a pas un joli visage. Ça peut être une surprise. On peut peut-être avoir une belle surprise. À l'adolescence. En tout cas, maintenant... voilà. On aurait pu la garder pour le ménage, j'avoue. Mais c'est pas grave, Toya, il va s'en trouver une autre pour ça. Bien fait, il y aura plein de poussière. Exactement, les lapins, ils vont finir par exploser, foutre le feu. Viens ici, Jacqueline. Va dormir. On va pleurer si tu veux. Encore? Mais c'est bon, votre mère, on l'a déjà oublié, nous. Pas la peine de la pleurer encore, quoi. Je suis une connasse, savez-vous comment? Quand elle est bien grasse. C'est une pomme pourrie pour l'instant. Oui, coup de couteau dans mon petit cœur meurtri braval. C'est pas moi, c'est le chat, Marine. Tu veux que je te donne les noms? Ils vont se dénoncer eux-mêmes. Oh, ils gambadent, hein? Elle t'ira dormir après. Par la Raigal, c'est bien. Il y a Raigal et Raigo. Parce que un Raigal, deux Raigo. C'est pas ça. Cassos dans les escaliers. Encore, il n'y a eu que 21h là. C'est bientôt l'anniversaire de Hulk. Ah, regardez Totoya. Totoya, lélé. Totoya, tu vas te laver, tu vas aller te toucher la nouille. Totoya, il n'a rien à foutre. Il est content parce qu'il y a de la poussière. Mais pourquoi? Bah bouge ton cul. Ok. Non. Tout est normal. C'est bon. D'ailleurs, on profite avant que le jeu replante. Il a pas planté aujourd'hui, mais il a planté hier. En live. Sachant qu'au début de mon live aussi, mon propre PC a rebooté tout seul. Donc...
On n'est pas à l'abri qu'il se passe des trucs un peu bizarres. Hein. C'est une famille avec les noms du chat qui ont voté oui pour tuer les gens participants. J'exige un ban pour ces personnes. D'accord, ok Marine, je m'en chargerai. Dénoncez-vous. Ah, il essaie. Vous pensez que quand il fait ça, il essaie il essaie de viser les mouches. Ah, je pense qu'il y en a une qui sait, non ? Sympathique comme petit jeu, viser les mouches. Eh hey, mais il y avait un... J'avais vu ça sur Internet. Sur Internet, et le meilleur endroit au monde pour ce genre de truc. Demander conseil. Accusé d'être la mode... Conseil à propos de la mode. Qu'en gros, dans les toilettes pour hommes, les urinoirs, voilà, je sais plus le nom, il y avait quelqu'un qui avait collé des stickers de mouches. Parce que comme ça, les mecs, ils avaient plus tendance à viser la mouche. Parce que quand ils sont bourrés, ils pensent que c'en est une vraie. Parce qu'ils savent pas viser. C'est des cochons. Alors, Pomme et Opaline vont aller à l'école dans une heure. Save a day. Allez, va pisser. Tu vas te faire dessus, fini. Watani Kofa, Crossenex, Nurture Squaz. Qu'on se la propos de l'amour. La muerte. Salut Marina, comment vas-tu? Le pire, c'est que je ne sais même plus ce que j'ai voté. Oh, Kitty, voyons. Bah, c'est vrai que ça remonte à il y a au moins 2-3 semaines. Je sais plus. C'est un mec avec son joujou, donc oui. Oh, Boogie Lagon. Babadeso, Yanabi. Si je sais déjà plus de quoi je parle. Simze Chorib. Elle a cassé les toilettes. Ces gosses, ils sont intenables. Vous avez pas de domino. Hein? Et ça tape, tape, tape sur mon plafond à moi. Ils essaient de creuser un trou pour pouvoir me dire faire coucou. C'est cassos de merde, je leur foutrerai le feu. Avec plaisir si seulement je pouvais le faire. J'ai vu à ta tête viser les mouches. Viser les mouches, ça me fait pas peur. Même à l'usure, moi je pisse encore. Contre le émail, au fond de l'urinoir. Surtout quand il est tard et que j'ai un verre dans le nez. C'est pas ça, les paroles? Non, mais la mémoire à court terme. Non, mais en vrai, normalement, j'ai une bonne mémoire. Mais comme je vous ai déjà dit, je dis beaucoup de conneries. Du coup, moi, je sais plus. Ah! Oh, merguez, il kiffe sa vie. Oh, Totoya, il s'est quand même fait bouffer, hein. Totoya, il aurait pu aussi se faire... il a failli mourir parce qu'on a trouvé un antidote pile à ce moment-là, mais... Ah, il s'est pas fait bouffer. Moi, une fois... Ah bah si, j'ai rien dit. Saloperie de... Pas de chat, non, c'est pas un chat. Saloperie de merguez. Se faire meurtre par une merguez, c'est pas de ballot ça, comme. Ah. Hop. Oh mince, on a un enfant. Petite enfant. Va aux toilettes, petite enfant. En plus, tu peux y aller tout seul. De toute façon, ça sert à rien. Dans 2 minutes, on dégage. Oui, nous allons rejoindre évidemment Totoya au boulot. Si c'est ça les paroles. Ah, j'étais pas sûre de moi, merci. Bah chez moi ça tape au plafond, ça déplace les meubles. Alors moi il déplace pas les meubles, mais il m'énerve quand même. Allô Toyat, le Hulk a été mis en garderie. Bah oui j'espère bien.
Bon, tous les ordis sont déjà squattés, hein. Lancer un avis de recherche, comparer les informations, prendre des empreintes digitales. Tu t'en vas. Tu t'en vas, en fait, parce que j'ai pas envie que... Voilà. C'est à nous de hein. Voilà. Toi, t'es vieille, tu vas prendre ta retraite, t'es gentille. Comparer les informations. Non, c'était pas elle qui était mignonne. Ouais, on va pas le recaser tout de suite, mais... Comment ça se passe dans le gangbang Ah, bah ça a couché. Il y a une des deux meufs qui avait accouché. Eh bien, ils sont devenus vieux, les mecs, là. Comment ils font pour bonder encore, hein, pour mettre les femmes enceintes? On ne sait pas. En tout cas, ils sont toujours enfermés. C'est toujours les mêmes depuis le début de la game. Ajoutez des indices. Ajoutez des indices. Et merci, Isrei, pour ton follow. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Moi, ils ont déménagé, trop contente. Ah, la vache. Moi, ça m'étonnerait. Alors, Toya a découvert que le suspect était un homme. Oh mon dieu, il a des houilles. Monsieur, oh mais monsieur, oui, pas avec votre poncho. Oh. Histoire d'amour au travail. Ah ouais. Tatsuya Ueda. Elisa Ueda, bah ouais, ils sont mariés. Donc c'est officiel. Il n'y a rien à dire. On va comparer les informations. Parce que t'as madame... Phoebe qui... Hein? Qui squatte le PC. Bon, elle a des petites couleurs originales. Mais est-ce qu'elle vous plaît? On s'était dit qu'elle pourrait être pas mal pour la successeuse de... après Manon, quoi. Bon, il fera pas d'enfant avec, hein, mais... On a bien besoin d'une femme de ménage, donc... Pas mal, hein? La bête. Ça se tripote au Bruveau. Au Bruveau, oui. Au Bruveau. En pleine enquête, c'est du joli. C'est ça. T'as tout compris. Analyser une preuve et lancer un avis de recherche. On va analyser une preuve. Waouh, elle est belle. Hein. En analysons une preuve lunette. Donc on se la met de côté. Et ah non, je confonds avec le Legacy où il y a... Le mari de Pauline qui a cette coupe de cheveux, je crois que j'ai cru que c'était lui, mais pas du tout. Ça y est, je ne sais plus faire la différence entre mes différents let's play, ça va être fini, ça va être bien. Vous savez quoi? Sait-on jamais? Faire semblant de renvoyer. Analyse réussie. Hinara Yoboro Shurba. Peut-être qu'elle est mariée. Ah merde, ils s'entendent pas. Si ça passe. Mais je t'avais demandé de faire quoi? Complimenter la tenue. Que tu as un joli costume de... Non pas amour, non, au drôle. Ces enfants se sont même pas encore remis de la mort de leur mère. On va pas commencer à se remettre sur le tapis tout de suite, hein. Et salut Banner, comment vas-tu? T'adores ce maquillage? Je sais plus qui me l'a fait, je sais que c'est quelqu'un qui me l'a fait. Qui m'a mis un commentaire sur YouTube. Oh, ça y est, elle a des cœurs. Elle a des cuirs dans la tête. Je crois qu'elle est contente. Le beau gosse Toya, il m'a parlé aujourd'hui. Vous vous souvenez quand? À l'école, au collège, tout ça. Oh mon dieu, il m'a parlé. Moi non, parce que moi, il y a des garçons que j'aimais bien, il me parlait pas. Zombie Nufa won a chair.
Je suis rassure, ça n'a pas beaucoup changé. Zakini Rochpa. Thori Brabna. Oh, mais merde, bonjour, hein. Je m'appelle Shirley, je ne viens de perdre. Mais compare, j'ai oublié de te faire comparer. Comparer. Oh, comparer. Wow, wow. Et après, ajouter des indices. Et après, lancer une recherche. Comparer. Oh. Salut Elatana, comment vas-tu? Ajouter des indices. C'est bon, calme-toi. C'est... Oh, ça a bien augmenté là, sa relation. Là. Elle a vraiment un carnet là, c'est marrant. J'avais pas vu tout à l'heure qu'il y avait un carnet. Bah, oui, là je viens de voir qu'il y avait des trucs, mais. Alors, Toya a découvert que le suspect portait un haut à manches courtes. Allez, on va lancer un avis de recherche. Promis juré, je regarde pas là quand on arrive, qui c'est? Bah, je fais ça et en même temps je vois mon retour, donc en fait par défaut je vois mon écran. Niveau de célébrité perdu. Sur un Charlie bien en forme, très jolie voix. Je commence à avoir un coup de barre, mais ça va, il a tada, merci. Salut Tandori, comment vas-tu? Kunali Gaga, comment tu vas? Alors, je ne vois rien. Où est le suspect? Là, j'ai bien cliqué. Je sais même pas ce que j'ai cliqué. J'ai cliqué en haut. Mais ouais, mais... Je le vois déjà où il est. Salut Marie. Marie J. Hélène, comment vas-tu? Le truc, c'est que je fais pas exprès. Mais il n'y a qu'un seul Steam sur le lieu. Comment voulez-vous que ce soit difficile? Bonjour, monsieur le susprout. Conspirationniste Arthur Bonnet. D'ailleurs, nous allons regarder dans le carnet quel est... c'est un homme déjà, c'est mal barré. Mon haut en manche courte. C'est ça. Alors, carrière détective. Alors, manche courte, un homme créatif et il porte un short. Bah oui, il fait chaud. Ah non, il a un pantalon, c'est pas lui. Il y en avait deux. Ça y est, j'ai le doute qui s'incarne dans ma tête. Oh, il s'appelle Daichi. T'as trop parlé. Mais oui, mais d'habitude, c'est comme ça. Mais comment vas-tu? On va leur demander. Il n'y a pas de short. Oh là. Oh la gueule de... Oh, du mec. Surtout avec la barbe comme ça, c'est pas... Non, c'est pas... Ça te scie pas. Monsieur, fais tout pousser ou rase tout, mais je sais pas, mais... Refresh uniform. Ah, Mispa Ashwi, Pipwa. Seklu. Fwifa. Il a montré l'étage, hein. Il a montré l'étage. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à ça, mais c'était il y a un petit moment. Bam Frabe, Aspa, Labura, Philibach. Bon, toi, tu sers à rien, toi. T'as vu personne de ce genre comme per hasard. Allez, on arrête Daichi parce qu'il s'appelle Daichi. J'y peux rien, moi, c'est comme ça. Bien belle beauté, ce regard suspicieux. C'est un adolescent. On l'arrête ou pas? À votre avis, c'est lui ou c'est un des deux? Ben, en même temps, on n'a pas beaucoup d'indices, en vrai. Heureusement, je suis restée... Est-ce qu'on aurait pu faire un avis de recherche? Wesh, on n'avait rien, quoi. Pourquoi il est pas poli? Je n'ai pas appris la politesse, les manières à Daichi.
Non, il est responsable. Je cherchais les jauges, mais il est adulte, donc il les a plus. Il est juste responsable. Oui, on est d'accord, c'est celui du haut, hein. C'est le seul qui a un bermuda. Enfin, un short. Allez, on arrête. Trêve de galéjade de diversion et de parlotte. Ben, re, mon soldat, tu t'es parti. C'est juste que vous me dites re, mais je suis pas au courant que vous étiez pas là, hein, plus là en fait. Donc c'est... Ok. C'est le seul avec un short, on l'arrête, il avouera sous la contrainte. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le gentil policier ou le méchant policier? Bien sûr, mes punks. Acceptable. On verra si c'est lui. Si c'est pas lui, vous êtes ban. Sean, Anne et Tandri. On veut voir Totoya en colère. Oh. Ah, j'ai pas vu. Salut Sam, merci beaucoup pour ton abonnement, ton 7e mois d'abonnement. Énormément de merci. Et recoucou. Ah, parce qu'on s'est vu tout à l'heure, je m'en souviens pas. Et merci beaucoup pour ton réabonnement. Gros bisous à toi. Et Smiley Boule, oui, vous avez vu de YouTube, je. Voilà, on va dire qu'on assume. Hein. Oh. Interrogeons le susprout Daichi. Méchant policier, il faut lui mettre la pression. D'accord, d'accord, d'accord. Vous avez envie de la sexitude, que la sexitude affolante de Toya transperce l'écran, c'est ça? Ça fait longtemps. Ben oui, comment vas-tu? Non, je suis passée sans parler tout à l'heure. Ah, d'accord. Pas tous les jours la menace de ban. Tu crois? Mais non, regarde, demain je live pas. C'est un jour de repos. Ah, ça passe, hein. Alors, je dis recoucou comme si tout le monde savait, je suis blonde, quoi. Mais non, oh. Agent 21 QQ, les copains, agent 21 QQ YouTube, comment vous allez? Salut Oniri, comment tu vas? Nous, ça va bien, enfin moi, ça va. Mais ça va. C'est beau ce chat quand même qu'on a tous un petit cul, c'est ça. Ah, mais je pense que il y a quelques personnes, du nom de Marine par exemple, qui quand elles voient un pseudo sans cul, ça la dérange. Elle doit avoir un toc. Ce serait que là, il y a une belle brochette de paire de fesses quand même. Hein. À la limite, Wisebot, il l'a pas. Il y a une belle ribambelle de trous de balle quand même. Oh pardon, c'était pas vous que je voulais dire. C'était... Non, c'était pas les trous de balle, c'était en rapport aux fesses. Ouais, non. Alors, méchant policier. Méchant policier. Agitez les menottes. Ensuite, méchant policier. Demandez un pot de vin. Non. Non, on n'est pas un ripou. Décrire les horreurs de la prison. Méchant policier, fixez froidement. Voilà. Je vous fais un échantillon. Intimidé. Méchant policier. Menacé avec des araignées. Méchant policier. Oh, ben, méchant policier... Policier en colère. Attention! Sean Mascon! Sean Mascon! Yeah, yeah! Vous êtes prêts, hein? Qu'est-ce qu'il est... Pourquoi il est triste? Ah, ça, il faut voir quand même le susprout un peu. Mano. Ah oui, attache-moi, Toya. J'aime ça. Oh. Oh la vache. Je fais bien fixer froidement, je m'entraîne. Ah, regarde. Il me flingue. Il le fait tellement bien. Il est tellement bien. Merci beaucoup, Tandori, pour cet abonnement offert. Attendez. Tandori offre des abonnements à la communauté en remerciement du cadeau offert par Marine. Ah bah d'accord. Quel bonheur, quel bordel quand même. Merci beaucoup, Tandori. Gros bisous à toi, Ismail et Boone. Merci énormément.
Ah, dommage qu'il n'y ait pas d'émote. D'émote de quoi, Utopia? Tu voudrais voir quoi? Je suis vexée, je vais me désub. Ce beau lapsus, qu'est-ce que j'ai dit encore comme connerie, moi. Il est beau le Toto? Bah écoute, c'est bien le fils de ses parents. Hein. Vous savez que ça m'a fait rire parce que dans Pokémon Go, il y a un Pokémon qui s'appelle Chamallow. Que je ne connaissais pas. Du coup, ça me fait penser à Chamam Cham. Mon petit Chamallow. Oh, mon petit bolo. Salut Guillaume, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Ah, il fait le méchant, là. Mais moi, il provoque plus de l'excitation qu'autre chose. Hein. Hey, mon Zazo. Charmé Griffalo. Snarb. J'aime trop. Amogapomp. Phenomenal. Yasa, your boy, Piraku. Blinkery and Teal. Pomposhna. Memron, Kunkis. Skunk. Hanko Flamhoy prefer. Wampana. Zizor. What's your name? Denigrabe, Manzo Navuya, Ukarawa Susa Faro. Ah oui! Ah oui! Ah oui, c'est surtout tous les papiers, moi, qui m'excite. Mais pourquoi il est triste, wesh? Merci beaucoup, Tandori, pour cet autre abonnement offert sur la chaîne, merci beaucoup. Gros bisous à toi, Ismaili Boul, merci énormément. Et la pub a été demandée? Une fois qu'on coffrera ce putain de E, cet enfoiré de ce suspect. Ah bah c'est bon! Il semble tendu. Obtenir des aveux. Je le savais. I knew it. Allez, c'est parti pour 30 secondes de pub. Je remercie évidemment tous ceux qui le verront, puisque ben, en général, c'est parce que vous êtes non-sub. Et si vous ne voulez pas de pub, eh ben, il suffit de sub ou de supplier quelqu'un qui vous sub. Tout ça, merci beaucoup. Et à toute suite. Supplier quelqu'un qui vous sauve. Non mais franchement, Charlie, ça va, plus rien ne va quoi. Plus rien ne va chez toi. Affaire classée, fouiller les criminels. Ah, on va aller voir le chef, ça fait longtemps qu'on a pas vu le chef, ça devrait aller. Ça devrait aller, on devrait pouvoir parler au chef aujourd'hui. Et rentrer toi à la maison. J'avais pas vu que t'as changé un motif de sauve, j'ai changé tout à l'heure. Je l'ai changé tout à l'heure, ça. Mais c'est dit que c'est vrai que ça peut bien rentrer dans le délire. Voilà, je suis pas ban. La promo. Ah, je sais pas du tout. Non, on en est loin encore. On va parler au chef? Ouais, c'est bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé au chef. Est-ce qu'il va nous kiffer, le chef, aujourd'hui? Il va nous mettre plus bas que terre. Ah, tu t'es fait piquer ta chaise, chef. Est-ce que vous avez trafiqué les statistiques? Vous pouvez me le dire, Rainbow. La criminalité n'a jamais été aussi faible. Dites-moi comment vous avez fait. Parce qu'on a la classe. Oh non, Tandori veut faire compétition, une compète avec Marine, là. Je le sens que ça va pas le faire, là. Ah, ça va pas du tout, Tandori. Tu ranges ta carte bleue, là, tout de suite. Plus vite que ça. Merci énormément pour ce troisième sub offert à Josie, en plus. Merci beaucoup. Un gros bisou à toi. Et Smiley Bull, merci énormément du soutien. Et bienvenue à Josie dans la team des petits culs de couleur. Rêve de ta vie en couleur. Et fais des pépés gros que ta sœur. Faut que tu supplies quelqu'un. Bah du coup, j'ai la pub, je participe à ta colossale et opulente richesse. Merci beaucoup, Sean. Merci beaucoup. Je pense que c'est le seul qui vous a dû avoir les pubs. Et on a gagné 1500, c'est ma flouze. Salut, Ruline, comment vas-tu? T'as pas les moyens de Marine? Ah non. Mais tu sais, Marine, ça fait longtemps qu'elle pratique. Elle commence à faire longtemps. C'est open bar ici, moi je voudrais de l'argent coule à flot. Que les subs se... Attends, quoi? Je voudrais que l'argent coule autant à flot que les subs sur ce chat. Ah non, mais c'est pas tout le temps comme ça, et heureusement, hein, mon dieu. Mais il y en a qui ont la carte bleue qui glisse, hein, de temps en temps. Tu vois, là, aujourd'hui, c'est Tandori. Ah, 11 000!
1000 films plus 9 factures. Ah oui, c'est vrai, on a gagné à la loterie. Pff, non, mais moi, les deux parties qu'on a en live, on a gagné à la loterie. On va croire que je triche. Je devrais que jouer en live, en fait. Eh oui, t'as du retard, Héruline, c'est fessé. Tu montres tes fesses, là, tout de suite. Allez, tu montes tes fesses à l'écran. Y a pas de oui, de non. Tu montes tes fesses, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne ici, tu sais. Tu montres tes fesses et la fessie. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'était soit j'achète mon appart, soit je me resub. Le choix était cornélien. Oh la vache. Si t'achètes un appartement à 5 euros par mois, donne-moi ton plan parce que moi, je déménage de suite. Hein. Ouf. Oh, petit bichon, il a quoi, le petit cœur? Oh, c'est encore sa mère. Ça va. C'est bon. Nous, on est passé à autre chose, déjà. Ah, Zig et Mbala. Qui s'occupe de son petit gars, hein. Bon, arrête de renifler. Oh, ça me rend dingue. Non, mais tu peux faire des... Réconforter. Quoi? J'ai pas eu le temps de lire ce qu'elle me disait d'Alia, c'est pas grave. Ouais, bah, elle pleure. Elle pleure. C'est parfait. Allez, tu iras faire un beau gros pipi caca là, on s'en fiche. Tu manques, tu t'en ailles. T'as loupé beaucoup de choses. Une journée de taf. Le relooking de pomme qui a une sale trogne. Eh, sale trognon de pomme. Mais t'es un peu plus cher, mon banquier est pas content. Ah, merde. Mais. Et merci beaucoup pour ton raid, le monde de Laura. Merci beaucoup, bienvenue. J'espère que ton live s'est bien passé. J'adore rire. J'adore rire. Bah oui, écoute, moi aussi j'adore rire. C'est pour ça que je balance des vannes de merde. Bah elle était bonne celle-là quand même, non hein? Je mérite une bonne note quand même. Hein? Vous me mettrez combien? Faites gaffe à ce que vous allez dire. Merci beaucoup, le monde de Laura. C'est adorable. Merci beaucoup. Alors, oui, Sean, non, t'habites à Lille, tu m'as dit non? C'est pas... Je crois, hein. Je sais plus si mes informations sont ok. Et merci beaucoup, le monde de Laura, de ton follow. Et bienvenue à toi, chez le petit cul. J'ai ri au trognon. Bah attends. Eh, ça fuse là-dedans, hein. C'est du tac au tac, les vannes. Attendez, moi, il faut bien que je vous divertisse. Parce que, hein, on n'est pas là pour se toucher la nouille et tricoter, hein. Non, même. 11 sur 10, merci beaucoup, Sean. C'est gentil, t'as compris là, le truc, hein, qu'il fallait pas mettre en dessous. Hein. Ah, Coco! Ça va être le ban. Ah, quel dommage, Coco. Après la piscine, c'est le ban pour la note. Ouais, t'habites sur l'île? Tu veux peut-être pas me dire où, mais... T'as trouvé sur dans l'île même ou sur la banlieue? Parce que du coup, comme je suis originaire de là-bas, quand même, je connais un petit peu. Je connais de moins en moins, mais je connais un petit peu. Et salut Panda, comment vas-tu? Le trognon validé avec mention. Merci beaucoup, Marie. Cherchais quelqu'un qui faisait les Sims 4. T'es tombé sur la meilleure, écoute. C'est comme ça. Ça va, je me la pète pas trop, ça va. Bah nous, on est sur le note Sauberry. C'est une bonne note quand même. Oui, oui, mais ça reste en dessous de 10, c'est pas bien. Salut petit cœur, comment tu vas? Et salut Neko Cléo. Et salut Virginie, comment vous allez? Bah ça va bien. Donc je disais, on est sur le note Sauberry. On est bien avancé sur le note Sauberry. J'ai oublié de faire les portraits pour Toya. Là, 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 j'ai zappé. Ah, il va se faire bouffer. Il va se faire bouffer par Merguez. Donc nous sommes en plein note Sauberry. Note Sauberry, c'est un legacy qui est fait sur 10 générations où chaque génération a une couleur précise et des objectifs précis. Nous sommes déjà à la génération pêche qui équivaut à la génération 8. Oui. Ah, ça va faire 2 ans qu'on a lancé le note Sauberry en live, parce que je ne fais que en live, et une fois par semaine, c'est le mercredi. Donc vous êtes tombé le bonjour, donc si vous voulez voir la suite, eh ben vous savez où venir à partir de 20h. C'est ici. Et nous avons eu tous ces héritiers là, avant. Voilà, avec Pepper de la génération menthe, Bordeaux de la génération rouge, Pulcote, Pulco, hein, c'est Pulco mais c'est Pulcote, de la génération jaune,
Nuage de la génération grise, Lila de la génération prune, Copper de la génération orange et Chamcham, Chamalo de la génération rose, qui est le papa de Toya, qui est en train de taper sa meilleure trompette, qui est de la génération pêche. Et ses enfants seront de la génération verte. Voilà, et la prochaine génération après la verte, ce sera la génération bleue, et ce sera la fin du challenge, normalement, à peu près. Coussi coussa, quoi. Et là, bon, ils sont tristounes, parce qu'en fait, la semaine dernière, ils ont un peu perdu leur maman pour les enfants, et sa femme pour Toya, mais Toya, Toya, il s'en fout, en fait. Hein. Il n'a pas été triste des masses. Bon, les enfants, ils sont toujours un peu tristounes, mais... Voilà, donc nous avons trois enfants, Opaline, Pomme et le Hulk. Parce qu'à chaque fois, chaque prénom a un rapport avec la couleur, évidemment. Je rigole parce que le Hulk, il faut avoir la ref hein, pour comprendre. Hein. C'est pas juste Hulk, hein, c'est le Hulk. Il y a une petite différence qui fait tout. J'ai pas les hamsters sur mon jeu. Eh ben justement, maman Manon, elle est morte bouffée de la maladie du hamster. Elle s'est écroulée sur le parquet de la chambre, toute baveuse, parce qu'elle s'est fait croquer le doigt par Merguez, qui l'avait bouffée. Et le chat a ensuite voté pour savoir si on l'a tuée ou si on l'a sauvée, et ils ont choisi de la tuer. Donc elle est morte de sa belle mort, toute moussue, quoi. La pauvre. Et merci Salomé pour ton abonnement YouTube. Je l'ai pas encore fait, Tandoori, c'est ce que j'ai dit. J'ai encore oublié de faire le portrait, mais oui, je devais le faire. Mais en vrai, je sais plus dans quelle partie je les ai foutus. Faudrait que je m'y penche sérieusement, on va dire. Voilà. Bon, alors les filles, elles vont faire leur devoir quand même, parce que c'est pas tout ça, mais à un moment donné, il faut que l'éducation se fasse. Hein. Toya, lui. Ah, et d'accord. Tout le monde va bien? Lui, il pue un petit peu. On va réveiller le petit Luc quand même. Papa, il va lui donner le bain. Voilà, donner le bain à le Hulk. Oula! Et puis c'est comme ça. Ah, d'ailleurs, avant de. Parce que j'ai quelques petits soucis de PC. On sait pas si le PC peut reboot à n'importe quel moment, ça coupera le live. Donc si, sauf si je vous ai dit au revoir, c'est pas normal que ça coupe. On est d'accord là-dessus? On est raccord, hein? Si d'un seul coup ça coupe, il n'y a plus de live, c'est pas logique. Normalement, je dois revenir. Sauf si j'ai dit au revoir. Hein. Là, effectivement, bah, vous pouvez toujours attendre. Et merci Nevozy pour ton follow. Oh, bienvenue à toi. Voilà nos trois petits enfants. Un chat de traître. Oui, parce que Marine était celle qui avait créé la maman des trois enfants. Donc, se sont trahis par ses comparses. C'est normal. Ah, tais-toi, toi. Mais je devais... Mais j'ai... Vous avez... Oh là, ça va pas... Non. J'ai cliqué sur donner le bain. J'en ai marre. À chaque fois, ils me font le truc. Ils me font ça. Là. Va laver ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Voilà. Pendant que les filles font leur devoir. Ils ont un peu perdu leur maman. Oui, bah ils l'ont oublié dans un coin, quoi. J'ai bug, mon chéri me parlait. Vous avez pas de soucis, Neko. Ça fait pas de soucis. C'est normal, vous avez une vie. Hein. C'est trop chaud. Et encore, hein, il fait que 30 degrés. Hein. Quand on va atteindre les 40, hein, ça va être un peu plus compliqué à supporter. Oh, Tandoori, t'es mignon. Non, Sam, là on est sur le Notsoberry. La famille Petit Cul, c'est sur le Legacy. On a que deux challenges en live sur Twitch, donc c'est très facile à suivre. Mais effectivement, le Legacy c'était hier soir par exemple. Tous les mercredis, par contre, c'est forcément Notsoberry. Avant c'était le jeudi. Et comme j'ai mes cours, on a transvasé ça le mercredi. Et j'espère effectivement finir peut-être avant la rentrée le Notsoberry. Pour qu'à la rentrée on fasse de nouvelles choses. Et vous savez quoi, j'ai pensé à un truc avant le live. À une idée de challenge, on va dire. Oui, ce serait un challenge. Ouais, ce serait carrément un challenge. Mais alors, rien n'est fait. Mais alors, l'idée, elle est là. Je ne l'ai pas notée. Mais j'ai fait. Mais en fait, c'est trop bien. Voilà. Donc, c'est pas prêt de voir venir le jour. Mais je voudrais que je travaille dessus. Un jour ou l'autre,
Restez connectés. Si vous aimez les Challenge Sims, j'en ai quelques-uns à sortir dans le futur. Alors, je sais, ça fait longtemps que je vous dis ça. Il y en a un, ça va faire 3 ans que j'y ai pensé. Il est écrit à moitié. Ben, disons que je l'avais retravaillé, mais comme à chaque fois qu'il y a des nouvelles sorties, j'ai réinclus ce qu'il y a dedans. Donc, à chaque fois, je dois le remettre en forme, mais je vais le faire. Je vais le faire. Il y en a un autre sur lequel je suis en train de travailler sur un trailer, qui donc devrait pas trop tarder. Et des autres encore qui sont en attente. C'est facile à suivre, moi je confonds tout. Non, mais t'inquiète. Les deux sont blonds, ça n'aide pas. C'est vrai. C'est vrai qu'on est sur des blonds. Sauf que dans la famille Legacy, la famille du Legacy, on vit à Strangerville. Et on a une femme qui n'est pas encore morte. Et un garçon qui est brun. Et on a des jumeaux aussi. Mais c'est vrai qu'il y a du blond, j'avoue. Et c'est un homme, l'héritier également. C'est beaucoup d'hommes héritiers, moi, en ce moment. Et salut, Quentin, comment vas-tu? Bon, allez, on va... Ah non, ma biquette. Alors, c'est laquelle des deux, ça? Tu vas dormir là, comme ça? Voilà, tout le monde dort, j'en profite, j'enregistre, parce que ce serait dommage que si ça plante. Je perds ces quelques minutes. Et donc, cette maison est également sur ma galerie. C'est à Jean Chorlet, hein. N'hésitez pas à la prendre si elle vous plaît. Ça se voit qu'il nous manque une femme, hein, parce que là, c'est plus possible. Hein. On va peut-être commander une femme de ménage. Quoique, de toute façon, on ne sera pas là pour l'avoir bossé. Célébrer l'anniversaire de Le Hulk! Oh, Bichon! Bichon! Ah, il clignote pas encore. Bon, il va aller bosser, Toya, et après, qu'est-ce qu'il a? Tout semble un peu sale. Ah bah... Oui. Tiens, tu peux marcher dessus. Tu peux marcher sur celui-là aussi. Et tu peux jeter. Ça va aller mieux déjà, rien que ça. En attendant qu'une de tes filles devienne adolescente et qu'elle passe l'aspirateur. Une femme qui n'est pas encore morte. C'est vrai. Elle n'est pas encore morte, non. Elle n'est pas encore morte, mais elle n'est pas censée mourir rapidement. Mais sachant que Josh va devenir vieux, donc ça va faire mal aux fesses. Hein. Souffler ses bougies sans sa maman, bah ouais. Et toi, tu manges des trucs pourris? Ah non. Ah non, c'est toi qui pue, en fait? Bah non, j'ai cru voir de la fumée verte, moi. C'est pas bon? Mais marqué excellent. En plus, c'est un plat de ta mère. Que ta mère avait fait. Sois sympa, à peu près. Écoute, si t'es pas content, tu... Tu sais quoi? Fais le ménage un peu, ça va t'aider à... Hein? Va marcher dessus. Non mais dis donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Attends, il a débarrassé 2 sacs de poussière et il a tout nettoyé. Ça va, c'est facile en fait, c'est tranquille hein, la vie. Toi, t'as faim. Eh bien, viens manger, ma petite. Lui, il doit pisser sa mère. Manger sera secondaire pour lui. Ah bah, toi, tu peux aller pisser, tu peux aller te doucher, tout ça. Avant d'aller bosser. Pas de soucis, monde de Laura. Enfin, Laura tout court, mais j'ai envie de dire. Bon appétit à toi et bonne soirée. Dans mon jeu, pas toutes les femmes de ménage passent l'aspirateur. Ah. En même temps, oh bah il a fait... Oh, ils ont fait pipi en même. Putain, si c'est pas Mimi. Tiens, mon fils, regarde mon outil de travail. Tu seras membré comme un Toya, plus tard, comme un Rainbow. Tu sais, les Rainbows, on est déjà 5 héritiers mâles, alors on compte sur toi. Mais de quoi? C'est ton fils, il a un haricot vert entre les jambes, d'où t'es choqué? Il est fou. Tu vas prendre à bouffer pour ton fils un peu, non? Non, ouvrir. Oh, des pinchos. Ouais, alors tu vas faire à manger, parce que c'est pas possible. Prépare un grand plat. C'est vrai, le petit déj, des pancakes. C'est bon ça, les pancakes pour les enfants. Ils aiment ça, les pancakes.
Un haricot vert. Oh, ça c'est long quand même, un haricot vert. Moi, je voyais les petits flageolets, tu sais. Mais quoi? Mais il est malade. Violation de vie privée. Les Sims n'aiment pas se faire surprendre par quelqu'un. C'est ton fils? Il a pas conscience? Oh la vache. Oh la saloperie. Oh le rebelle. Le temps qu'il arrive là, t'auras fini les pancakes. Hein. Allez les girls! Allez à l'école! Allez apprendre des choses pour votre avenir. Voilà, vous allez vous faire des amis. Didi. Ouais, et donc c'est fin et long. Oh mon dieu, c'est horrible. Et c'est vert aussi. Ah, c'est bon, c'est pour sa génération. Oui, on a un écouteur pour le Hulk que je viens de tilter. Le Hulk qui s'enfuit. Ouais, bah le Hulk a très faim, mais il va bouffer le Hulk. Pas de soucis. Qu'il attende que les pancakes soient faits. Hein. Au pire, il bouffera la garderie. Hein. Oh, mon papa, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Moi, je risque d'être moche, avec un menton pointu. Je pensais que tu l'avais fait exprès, le haricot vert. Ah non. Comme quoi, je dis des fois des choses sans arrière-pensée. Ça m'arrive. Encore fini mon verre d'eau, j'ai soif, les enfants. Quelqu'un qui peut me ramener un coca zéro bien frais, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, bah tant pis, il aura pas fini de faire les pancakes. Hein. Nous, on va bosser. Hein. Nous allons bosser sans chemise, sans pantalon. Pourtant. Quel criminel allons-nous enfermé aujourd'hui. Oh, et tous les ordinateurs sont déjà pris. Qui c'est qu'on va virer aujourd'hui? Toi, dégage. Dégage. Tiens, Jenny. Celle qui a failli être. Celle qui a failli. Qui n'a pas été choisie par le chat. Bah écoutez, elle a l'air d'être célibataire. Génie. Sans chemise, sans pantalon. Mais ça me va. J'ai que coca par coca zéro. Oh merde, j'avais pas bien vu. Jenny, notre plan B. Bah il y a Phoebe ou Jenny, ça dépendra de ce que vous préférez pour Toto. Peut-être la semaine pro, hein, histoire que le petit dernier y grandisse. Que ça fasse illusion que bon, ben il a perdu sa femme, mais il a attendu quelques années quand même. Oh, l'empima, tombe à flash, virus Kansas. Hey, salut Jean-Claude, comment tu viens? Qui a failli mourir à la place de Manon? Bah non, peut-être qu'elle aura pas été bouffée par Meriès, on sait pas. Phoebe, belle maman de Luke. Mais oui, en plus, ça va très bien. Mais ça va très bien, en fait, Phoebe. Ça match. Ça match direct. Bah ouais, il n'y a même pas photo. Tabarnak de colis. Alors, tu n'as même pas encore commencé que tu vas déjà ajouter des indices, mon petit Jacquelin. Allez, bouge ton fion. Bouge ton arrière-train. Quotidien. Ajouter des indices sans chemise, sans pantalon. Putain, pardon. Bah, y a du monde. Mignonne, la petite Alice Robert. Elle en a pas des trop gros, ça va. Bon, les yeux marrons. Ça me va pas. Les yeux marrons, c'est non. Alors, ajouter des indices. Wesh. Et analyser une preuve. Analysons une preuve. Ah, le susprout est une femme. Oh, mais il m'énerve, lui. Il prend toujours le même truc. On peut... Oh, ça va aller. Ah, chez les mouscas.
C'est marrant, on s'en fout, elle fera pas de gosse. Oui, mais quand même. Je suis exigeante. Jusqu'au bout. Cuisine. Je vous rappelle que notre amie Toya est à niveau 8 de la carrière. Il monte petit à petit. Il fait son nid. Le but étant de prendre la place du chef avant que le chef ne meure de vieillesse. Voilà, c'est le challenge. Je suis pas sûr qu'on le gagne. Oui, encore analyser une preuve. Allez. Ah ! Bah dites donc ! Oh bah dites donc ! Bah madame, elle a fait de l'aérophagie ? Madame Shirley Targaryen ? C'est vrai qu'on, c'est moi qui l'ai mis en cloque, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, ça a bien pris, hein. Il y a bien un second Targaryen qui va naître. Hein. Second ? Oui, second. Toujours avec Martial, c'est parfait, c'est la belle vie. Ah ouais. Je suis toujours dans le game, je suis toujours... Puis alors, les fleurs dans les cheveux, la chemise violette, le Martial qui m'engrosse, la gerboise, l'envie de steak frites. Avec haricots verts, bien sûr. C'est tout à fait moi. Tatatatam! Vas-y, elle va ajouter des indices. Pour l'instant, on sait juste que c'est une femme. Ce qui élimine quand même une grosse partie de la population. Les cheveux bruns. Oui, enfin, ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Tu vas refaire ça, puis tu vas réanalyser une preuve. Qui était bien sûr sur une autre enquête, mais c'est pas grave, faut pas le dire. Le Martial qui m'engrosse. Alors, la suspecte, elle porte une veste. Bah oui, c'est le Martial qui m'engrosse, et alors? Par la voix du Saint-Esprit, évidemment. C'est une relation platonique, je vous rappelle. Dis pas avec au vert, ça va porter confusion maintenant. Ah! Tout à fait. J'ai dit steak frites. J'ai dit haricots verts. Faut pas dire haricots verts. Quand je vais faire des haricots verts, je vais rigoler comme une folle devant mon plat. Tu penseras à le Hulk. Un truc horrible. Il engrosse juste par la pensée. Attention, bah attendez. Votre avis, pourquoi j'ai autant de poids? Attendez, j'ai pondu des enfants, hein. Le petit dernier, le petit Jamie, vous croyez qu'il est arrivé comment, lui? Oh, l'ordinateur se libère. Allez là, allez là, slow. Torere, torere. Oh, alléluia. Je sais, c'est pas du tout les choses. Mais un ordi qui se libère, quand même. Vous avez conscience de la chose, hein, quand même, non? Vas-y, mon bité. Compare les informations. Analyse une preuve. Ça suffit, là. Soul, soul! Qu'est-ce qu'il y a, Melbouche? On parlait avec sa sœur. Opaline a rencontré Chloé. Et toi, tu veux rencontrer quelqu'un à la garderie, non? Et c'est un indice bien réfé, comme voilà. Ajouter des indices. Oh, attendez, j'enregistre parce que là, je sais pas, le jeu il veut pas, ça me fait pas. Ça me fait peur. Toujours. Il veut pas. Parce qu'il a le téléphone.
sais, les coups de fil perso, c'est pas autorisé, Toya. J'étais avec le gamin. Et ça, personne n'a vu que j'étais avec le Hulk. C'est pour ça que je pouvais pas ajouter d'indice. Oh là là. Je vous jure, celle-ci. Pas possible. Elle fait que les conneries, hein. Toya a découvert que le suspect sentait un pantalon. C'était petit pantalon. Vas-y, déduis un autre indice aussi. Au palais, on a rencontré Yann. Ah, était un génie. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est pas mal, non? Vas-y, ajoute un indice. Encore. Oh, non, on peut même aller lancer un avis de recherche, aller l'arrêter. Cette mauvaise femme méchante. Qui fait des... qui fait des crimes. Ah, mais c'est quoi le dernier indice? Bon, allez, on y va. On s'en fout. Nous, on est des oufs. On se lance comme ça à corps perdu. Suspense! Est-ce qu'il va y avoir un suspense? Ou deux, ou trois, ou huit, ou 40. Peut-être qu'on va arriver à tout. Oh bah, je l'ai déjà vu. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le bar à Evergreen Harbor. C'est difficile hein, d'être suspect ici. Hein. Il est très difficile quand même dans cette partie d'être détective. Et merci Esté pour ton follow, bienvenue à toi. Donc, si Yanner, qui est peut-être enceinte, on ne sait pas, est sûrement notre coupable idéal. Allons donc voir dans le carnet. Elle est génie, elle porte un pantalon, une veste, cheveux bruns, est une femme, est une adolescente. Bon bah. Bon, elle a l'air mignonne en plus. Hein. Des beaux yeux verts. Ah, elle est jolie! Coquine, elle aime ça, les menottes, je l'ai vu dans ses yeux. Elle fait, oh, il est pas mal ce policier. Je sais pas où sont les chats. J'ai soif. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Allô les pompiers. Alors comment ils vont nos... Quel look. Ah oui. Synchro hein. Magnifique. Shirley a pris sa journée. Et merci Jimmy pour ton follow. Et bienvenue à toi. Bon, eh ben écoutez, ça ne marche pas. Notre suspect nous a pas suivis. Tu n'as pas assez bien attaché les menottes, Toya. Ça va te retomber sur le coin de la tronche. Te voilà dans de beaux draps, ma petite. Bon, pour l'instant, c'est vite barré. Hein. Elle a réussi. Hein. C'est un PNJ pas possible, elle est jolie. Ah! Changement de décor, nous sommes à la salle de sport. Bon, ça va, c'est toujours elle, hein, donc on est sûr que c'est elle parce qu'elle est encore là. Cette fois-ci, tu viens. C'est ça, t'as raison. Pète-la toi, ça va pas durer. Toya, il va te faire la fessée. Vous avez entendu, il a dit chouchou bipanka. J'adore sa tronche. C'est pas de bol, Marie! Tu vas ouvrir la fessée! Hé
Bon, tu viens avec nous maintenant, Gertrude. On va pas courir après toi à travers tous les mondes du jeu, parce que là, j'ai pas le temps. Faut qu'on ait le niveau 9, là. Bonne année, madame. C'est une bonne phrase pour arrêter les gens. Oh, il a dit chichoubi. C'est rigolo, quoi. Surprise! Elle est là ou elle est pas là? Bon, écoutez, sachant que ça bug, ah bah Charlie est revenu. On va pas se prendre la tête. Pourquoi se prendre la tête? On va prendre les empreintes digitales. On leur a pris 15 fois chacun, mais c'est pas grave, on va recommencer comme ça. Parce que de toute façon, on n'a pas le temps. Si ça bug, ça bug. On attendra le prochain jour. Puis c'est comme ça. Je n'ai eu que des bugs avec ce métier. Bah écoute, nous, ça a été. Et puis après, ça a été pas bien. Et puis là, ça rebug. Donc je sais pas. Et salut Yoshi, comment vas-tu? Et remercie-lou. Excusez-moi, je vais rechercher un verre d'eau parce que je meurs. Je meurs, Tadel. Hein? Oh non, mais... Ça va, Jamie, il est pas loin, il est juste derrière ma chaise. Hein. Encore un peu, je l'écrasais. Bon alors? Ah, j'ai réveillé la bête, hein, ça y est. J'ai réveillé la bête. Et moi, je me rassois correctement. Du moins, est-ce que je peux rasseoir correctement? Les bonnes choses dans les bons trous, comme on dit. Faire une heure d'exercice, parcourir la base de données, mais j'ai aucun ordi de libre. Ah si, pardon. J'ai dit des besties. En plus, il y allait. Marvelous. Regarde, Martial, t'as bien travaillé. Bah là, elle est penchée, mais... C'est pas du gras comme moi. Elle a du gras parce qu'elle a un gosse. Ah. Et 1560 simflos, plus un jour de congé. Et c'est déjà la fin de la journée. Je sais pas. Tu parles de Toya ou de Shirley? J'ai l'impression qu'elle est plus habillée pareil. Et ben non, Toya, il en a pas par contre. Tu peux reprendre les pancax? Et le gamin, il est resté là toute la journée à côté de la cuisinière. Cuisine! Il a mangé? Non, même pas. Mais c'est quoi ces... Faire tes devoirs, toi. Douche et va faire tes devoirs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vas-y, joue avec émotion. Pendant que le Hugues fait caca. Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi tu te plains? Je croyais qu'il y avait quelque chose dans la baignoire. Dans la douche. Oulalalala, merguez. Plus rien ne va pour merguez. Oh, les pancakes sont prêts, les enfants. Si vous voulez bouffer ce soir des pancakes, bon, elle a pas faim, elle pas trop. Bon, il y a que pour le petit, quoi. Va falloir aller voir merguez, parce que déjà qu'on a perdu Roger. Oh putain, j'ai eu la peur de ma vie, wesh. J'ai dit, oh mon dieu, il est mort. Je pense en plus sa cage est encore sale, donc il y a moyen qu'il l'infeste.
Donc à voir. Ça va Yoshi. Shirley, bah je pense ouais parce qu'elle a pas été, elle a pas les mêmes frères. J'en veux, mon cerveau a trop chauffé. T'as un cerveau. T'es sûr? Bon. Shuni Glaba Arbe. Be quiet, slam. Wadida. Abrupt Banorla. Muma. Jadi. Fine Spino. Yeftime Kissip. Quips drift swing. Y'a re la poussière. Ah oui, t'en as hein? Je suis pas sûr. Mais quelle est méchante. Je vous ai pas montré du coup sur YouTube la gueule qu'elle a cette pauvre gamine. Bon là encore ça va. Dans le CAS, c'est pas terrible. Hein. Pour vous le cacher. Et bon, les orages pour refroidir l'atmosphère, j'en peux plus. Qu'on aille, oui, qu'on aille courir nu dans la rue, sous la pluie. Évidemment, tous ensemble et qu'on fornique comme ça, même le bitume chaud. Pour émaner la vapeur de nos ébats. J'ai cru que le Queen Mo était chez moi, j'ai eu un coup de panique. Oh, bichette, Nam. Ah, il m'a fait peur. J'ai eu... C'est mon rat. C'est mon rat qui a sauté, là. T'arrêtes un peu. Je vous ai dit que j'avais réveillé la bête. Hein. Si tu veux. Pas m'embêter. Hein? Tu sais que tu vas pas pouvoir faire ça toute ta vie. Hein. Quand tu seras grand, tu pourras plus venir là. Sinon, ça va être folklore. Hein. Faudra que j'ai des plus gros boobs. Ah là là. Oui, alors on va courir tous tout nus. Mais oui, tout nu. Tout nu et tout pas bronzé. Qui fait beau, qui fait meilleur quand il y a l'orage qui a éclaté. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, Titi s'est réveillé aussi, c'est pour ça. Il est en train de regarder si Titi a ce qu'il fait tirer. Pourquoi t'as couché ton fils que finalement? Mais couche-le. Lis-lui une histoire. Je vous rappelle qu'hier, il a voulu me tirer, me rouler une pelle, ce chat. N'hésitez pas à follow, hein, parce que comme ça, grâce à ça, ce petit machin, il aura à manger ce soir. Hein. Si vous followez pas, ben, il mange pas. Sachant que j'en ai un deuxième, hein. Hein, mon titoun. Tu es beau, mon titoun, t'as bien dormi, mon biquet. Regardez. Ça les chouille. Titi. Narshko me bouf, smeba mokosa. Ah putain, mais arrête-toi! Ah. Mon titi! Voté! Il a fait doudou. Ah, 20h30! Ah non, tu vas aller pisser, wesh! Den! Voilà, elle a finalement, elle a craqué pour les pancakes. L'esprit! Bah tant mieux. Wesh, y'a combien de notifs là? C'est quoi là? C'est la foire à la notif? C'est plus la foire à la saucisse? Arrête! Si m'agace. Alors, tu vas manger. Tu vas manger tes devoirs. Toi, tu vas pas manger tes devoirs, tu vas juste. Ah bah là, ils ont déjà fait. Nickel. Papa, eh ben papa, il a pas besoin de grand chose, hein. Il va se mater un film, hein. Un film. Oh, pardon pour le micro. Oh, ça a dû faire un sale bruit. Les aventures de la simulation spatiale. Oh, avec Shirley. Oh bah vas-y, on va inviter Shirley. Je sais pas pourquoi, mais vas-y, on va inviter Shirley.
Merci. Merci Tandori pour ce sub. Offert encore une fois, mais tu en offres trop, ça va pas du tout. Oui, j'ai le même tapis, effectivement. On n'oublie pas de donner des QQ points par le livre AERO de Shirley. Visage gentil. C'est ça, gentil. C'est gentil, mon petit. Merci beaucoup pour le sub offert, Tandori. Gros bisous à toi et smiley boule, mais fais gaffe à tes fesses, le prochain c'est un banan. C'est I du trailer, c'est exactement ça. C'est changé de tout à l'heure. Pour que quand il y a un sub, je fais ouais, du fruit, il y a du pognon. Arrête. Mais ça va pas bien, toi. T'es un malade, toi. T'es un Lannister, celui-là, hein. Ça se voit. Hein. Moi, je suis une Targaryen. Hein. Tu vois, moi, je suis Targaryen. Ouais. Ouais, moi, je suis Targaryen. Il me manque un troisième chat pour faire mes dragons. Regardez-moi cette bouille là, moi cette bouille là, tu m'énerves toi. Oh tu t'es trop beau. Il a eu mon titoun. Il en est ça. Il se pose comme le sphinx. Vraiment Titi. Ça vous voyez l'autre aussi. Ah c'est n'importe quoi ce plan. Oh t'es que c'est Poupoune. Ah oui, c'est moi. Dis rien. Oui. Ça suffit? Je vais te poser, mais je sens que tu vas aller emmerder ton frère. Tu le veux? Non. Je te pose de l'autre côté, là. Ça va pas changer grand-chose. Hein. 5000 QQ points? C'est trop facile. La prochaine fois, je mettrai 1 million de points. Bon, Shirley, on t'a invité à boire le film. Oui, bien sûr. Après, m'en bouffer les devoirs, on va boire le film. T'as raison, Gaston. Alain, c'était bien. Un petit film en famille. Mais j'ai oublié Luc, c'est son anniversaire. Oh, personne ne me l'a rappelé dans le chat. Hein. Vous êtes tous bannis. Hein. Ça suffit. Alors, nous avons un Gatal. Allez hop, c'est parti. Toi, tu vas mettre la table, t'as raison. Mettre la table, décoration de fête. Nous n'avons pas de verre. Décoration décontractée. Toujours pas. Et sophistiquée. On va mettre des pois. C'est des petits pois, c'est vert. Petit le Hulk, viens ici, on va te lever. On va devoir lui faire sa chambre aussi. Oh, il dormira dans le canapé. Ouais, bon, c'est des pois qui sont pas verts, au final. Viens ici, toi, Jacqueline. Assis-toi. Assiste-toi. Il n'y a pas de drama pour l'instant. Mais toi... Non, mais viens, tu vas aider pour essayer de souffler les bougies, le Hulk. Oh, putain, maintenant, c'est Marine. Mon pauvre enfant. Oui, Maïbou. Mon chat noir et blanc s'appelle Tyrion et le petit s'appelle Jamie. Oh là, il y a une confrontation, là. C'est typique des Lannister. Hein. Ça, c'est... Ils s'entendent bien pour jouer, mais sinon, c'est le conflit. Mais oui, il s'appelle bien Tyrion. C'est son vrai prénom. Les petits pois sont rouges, normalement. Ah oui, c'est vrai. Ben là, il y en a des rouges, il y en a des jaunes, la petit pois. Allez, le Hulk! C'est ton anniversaire, ce sera jamais celui de ta mère. Est-ce que c'est aller crever cette pauvre conne sur le parquet? Ouais. Je sais que vous aimez mes chansons. Donc. Regardez-moi cette gueule. Et encore, c'est pas le pire. Hein. Ah oui. Eh oui. Encore, ça va. Hububokna. Il est passé à travers la... Waouh, attention! Happy birthday, le Hulk! Happy birthday, le Hulk! T'as plein de poils, là! Ton Hulk, le Hulk! Ah, je l'avais dit, le menton, qui était pas beau! Happy birthday, le Hulk! Alors, en aspiration, il aura... Hop, voilà, c'est bon, c'est celle-là.
Et en trait de caractère, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Jaune, rouge, pêche, vert. Alors non, c'est délicat, geek et joyeux. Délicat, geek et joyeux. C'est comme ça qu'on me définit. Délicat, geek et joyeux. Délicat, mais si je le veux. J'en dis de la merde. Ah, malveillant! Faut que je mette à jour ma Simself, hein, parce qu'il y a plein de trucs qu'il faudrait que je lui mette. En plus, avec les goûts et les couleurs, mais carrément, en fait, faut vraiment que je la mette à jour, ma Simself. On va la mettre à jour, les enfants. Je vais mettre mes goûts, mes couleurs. Eh, elle sera complète, hein. Bon, je serai obligée d'enlever Doudou, hein, et puis que je mette Titi en adulte, et que je mette Petit Machin. Ils sont mignons, là, ils sont tout... Enfin, ils sont pas à quelques centimètres, leurs papates, mais ils bougent pas. Vous allez vous faire des câlins après, les enfants? Des gros câlins bisous. Délicat, joyeux. Joyeux? Joyeux? Pitre? Je sais plus. Joyeux. Bon, bah, lui, sera joyeux. Voilà. Bon, il a un menton de merde, hein. Ça se voyait quand il était bambin. Ouais, ça se voyait très bien quand il était bambin. Là, ça... C'est Cyrano de Bergerac en haut et en bas, quoi. Mon petit le Hulk. À voir, hein, tes sœurs, mais il y a peu de chances que tu sois... Oh, elle est toute verte, maman. Que ça a peu de chances que tu sois dans la compète finale, hein, mon petit. Déjà, parce que t'es un garçon. Et que nous, on veut plus de garçons. On n'a rien contre, hein, mais on a eu 5 héritiers mâles sur ce challenge et j'aimerais juste que ce soit équitable. Voilà, c'est tout. Donc comme on est déjà arrivé au 5e avec Toya, je voudrais qu'on arrive avec 2 meufs sur la fin. Ça fait un croissant de lune. Oui, j'ai vu. Salut mon parisien, comment tu vas? Peut-être le dernier mâle du challenge. Non, c'est Toya le dernier mâle. Dernier mâle, qui l'a mâle? Tiens, va pisser correctement. Bon, lui aussi, il aime le rose, un peu comme Martin. Oh, le look, quand même. C'est affreux. Ah! Ah, ça, c'est, et ça le démangeait, hein, de jouer avec son haricot vert. Ouais, regardez comme il est fier, là. Ouais, t'as vu comment je pisse tout seul avec mon petit haricot? Ah, et puis ça me fait du bien, en plus, ça. Ah oui, il est content. Vous voyez, il demande même pas un lit, il va directement sur le canapé. Bon, normalement, sa chambre, c'est ici, mais bon. Il y a la cage des hamsters. Bon, attendez, on va... Bah déjà, celle-là, on peut la mettre dans l'inventaire de famille. Parce que, ben, il est mort. Ensuite, on va mettre en journée, histoire qu'on y voit quelque chose, quand même. On va sélectionner tous les papiers peints. Ah, j'ai pris le sol, évidemment. On va prendre des papiers peints verts. Sachant que les filles ont eu déjà décoration d'intérieur. Ici, c'est paranormal. On essaye de prendre les dernières recrues, quoi. Oh, j'aime bien. C'est bio de Danone. On va lui mettre des ridales. Évidemment, j'ai pas activé les PM Move Objects. Et on va lui mettre un lit. Parce qu'il paraît que ça, c'est utile. Pour se reposer. D'ailleurs, j'ai pas mis de tapis. Ça se voit qu'on l'a laissé à l'abandon, cette pauvre... Ah. Ça, c'est pas terrible. Cette pauvre pièce, un lit, on a dit. Un lit de la litation envers et contre tous. Ah, nous avons celui-là. Mais il n'est pas anti-monstre. Ah, mais on a dit qu'on s'en foutait parce qu'en fait, ils avaient...
Voilà, petit lit de garçon. Elles ont quoi, les filles? Bon, elle, elle a vraiment pas grand-chose. Elle, je vais un peu customiser sa chambre, mais alors les autres... C'est... on s'en fout, quoi. Dégage. Hein. Tout, tout, tout. Je vais prendre un des dragons. Je vais mettre là. À côté du lit. C'est la chambre hamster, exactement. Bon, on fait ça rapidos, hein, parce que bon. Parce qu'on vous êtes pas venu là pour un live rénovation. Ce n'est pas aujourd'hui la réno. Nounou. Voilà, c'est très bien. Ça, il y aura pas de monstre. Bah, là, elle a une commode et tout quand même. Hein. Ah, ces nouveaux meubles, ils sont juste trop bien. Hein. On va pas dire, hein. C'est quand même un peu la classe, hein, ces meubles-là. Regardez-moi ça. Et en plus, il y a du verre. C'est incroyable. On va aller mettre des fringues de garçon. Ah oui, on peut pas, il faut mettre forcément la penderie. Ah, Shirley, tu fais des conneries. Ah, mais la penderie, je sais pas si on aura de la place. Vu qu'il y a Roger, enfin il y a Merguez qui prend pas mal de place quand même. Comme eux-mêmes. La pauvre. Mais elle avait la tente, mais on l'a mis de, on l'a mis dehors la tente. Pas sa tati, hein, la tente là. On l'a mis dehors, on peut lui remettre, voilà, ça meuble un peu. C'est pas terrible, terrible, mais. Les pauvres gosses. Maman, elle est morte avant de leur acheter des meubles. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? C'est pas mon problème, hein. J'y suis pour rien, hein. Oh, toutes les merdes que j'ai récupérées. Au fil du teint. Salon tapis et verrant. Non, on peut mettre un tapis bouffé de j'allais dire sous la nuit, mais non, c'est Batou. Chez Batou. Ouais. Je suis pas en balade. C'est pas le même verre que le lit. Ça suit avec les murs, mais pas avec le lit. Oh bah ça c'est pas mal. Allez, ça perd. Par contre ils ont pas de bural, hein, les petits. Oh, merde, mon arbre. Zut flûte mince, mon arbre. Attribuer un lit. Le Hulk, qu'est-ce qu'elle fait elle? Va dormir maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire des pompes? Tu veux t'étirer en pleine nuit? À 1h39 du matin tu t'es dit que c'était le bon moment pour s'étirer. Sueur et bonheur! Quelle énergie! Cet élan d'adrénaline permet à Opaline de se sentir incroyablement bien. Doit-elle comprendre, à ses bras étonnamment sculptés, qu'elle aime le fitness? Le tapis à la tortue. Oh, j'ai oublié. Sa tati. Ouais, c'est ça, sa tati. Mais lui a un labo comme Hulk. Mmh. Oui, c'est vrai que Manor, il va dormir avec le meurtrier de sa mère, j'avoue. Salut toi, c'est l'anniversaire des Sims, c'est ça, j'espère que c'est pas c'est vent. De quoi là, c'est l'anniversaire des Sims? De quel Sims? Il y a un sondage qui vient de popper, n'hésitez pas à refresher si tu ne le voyais pas apparaître en haut du chat. Sinon, c'est maintenant, mais tout de suite, qu'il faut vous exprimationner via le sondageon. Des bisous pour qui veut, je veux dodo. Oh, bah bichette, tandoori. Bah, des bisous à toi alors. Hein. Et repose-toi bien. Et dors bien. Et à vendredi si tu le veux bien. Si je suis en forme aussi. Mes condoléances, Marine. Ça va. Je suis sûre que Manon, elle est en train de vivre dans d'autres parties. Et dans laquelle elle ne mourra pas.
la bave à la bouche. Oh, il est parti se recoucher, mon petit Jamie. Et Titi, je sais pas où il est. Il fait chaud. J'ai qu'une hâte, c'est d'ouvrir les fenêtres un jour. Enfin, il y a un peu d'air ce soir, donc je vais tenter de dormir un peu. Très bien, très bien, très bien. Bah, bonne nuit à toi, Marie. Des enfants, mais je crois que c'est pas le cas. Si, si, il y a juste le petit dernier qui est grandi, là. Les filles avaient déjà grandi la dernière fois. Enfin, les deux dernières fois. Donc maintenant, c'est prochain stade, c'est l'adolescence, quoi. Salut Coralie, comment vas-tu? J'en peux plus l'accent marseillais. Au moins, on me reproche mon accent trop parisien. Avec le main à la fin de ses phrases. Hein. Tu parles comme ça, toi. Hein. Franchement, c'est pas cool. Hein. Franchement, c'est, toi, c'est la caricature du parisien. Hein. C'est pas bien. Hein. Parce que quand nous, on n'arrive pas à s'exporter. Hein. Ici, il pleut grave. Pas chez moi, je crois. Ça va, Coralie, ça va. Et donc, oui, elle aime le fitness. Très bien. Merci pour vos votes éclairés. Et toi, tu vas quand tu veux dans ta chambre. Regarde, t'as une belle chambre de garçon avec un dinosaure et un hamster tueur. Mais ouais, je vous avais vu que ce manque de... Hein? Il se prend pour qui, lui? C'est poussiéreux. Bah oui, mais c'est ta mère qui, normalement, elle nettoie. Mais ta mère, elle est 6 pieds sous terre. Et là, tu dors avec son meurtrier, regarde, qui se repaît de ton malheur. Ah, qui conchit, qui ronflotte et qui conchit dans son sable dégueulasse dans lequel il a énormément pissé et chié. De bonheur, bien sûr, puisqu'il a tué ta mère. Mais il me tarde qu'il pleut. Bah ouais, je sais même pas s'il doit pleuvoir. Je sais pas. Hop. Qu'est-ce que me dit ma météo? Le aéro live est full. Ouais. Donc on va pouvoir s'organiser pour le faire. On fera ça vendredi pour savoir si vous préférez l'avoir le vendredi ou le samedi. Voilà. Alors moi... Ah oui, il va pleuvoir à 3h du mat. Bon, logiquement, je serai endormie. Oh, demain, il va faire encore 31. Avec des orages. Des orages au désespoir. J'attends, je vais attendre quand même 3h du matin et puis et bien après j'irai me promener nu dans la rue, t'as vu. Qu'est-ce que c'est quoi l'apéro live? C'est un apéro live, j'ai juste oublié une lettre. Hein. Et bien c'est comme j'avais fait au 31. Oh, Sakura. Oh, Sakura est morte. Ah ben dis donc. C'est un apéro. Comme si tu prenais un apéro, mais avec nous, avec moi, et on écoute de la musique et on s'enjaille. Alors, on écoute de la musique, qui est donc forcément copyrighté. Donc c'est un live qui ne sera pas du tout en rediff. Il sera supprimé automatiquement. Donc, en gros, je vais mettre une récompense dans le live. Vous allez acheter les chansons. Quand vous achetez les chansons, bien sûr, vous rentrez le titre, machin, et tout. Et moi, je fais après... je fais la DJet et je fais au fur et à mesure toutes les chansons que vous avez commandées avec les clips et on s'enjaille dessus et puis on boit un petit verre et on s'éclate quoi. En gros, c'est juste une soirée, on se fait plaisir, on écoute de la musique, on rigole. Voili voilou quoi. De la musique de caca. J'ai plus de week-end de libre après celui-là. Oh, biquette. De la musique de caca, bah non, si j'aime pas, je le mets pas. Est-ce que je voulais que je fasse un thème? Parce que ça, c'est la question. Parce que la dernière fois, on a fait un thème. Enfin, à part le nouvel an, parce que c'était nouvel an. Même si je n'aime pas ce live du nouvel an, c'est clair et net que je le déteste. Voilà. Pour d'autres raisons que le live en lui-même. Hein.
Mais bon, tu vas faire quoi, toi? Tu vas pas à l'école? Bon, tu fais le ménage, hein? Ouais, chouette, on a quelqu'un pour le ménage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, Martial? Ah, Pride! Tu veux Pride? Ah ouais, mais moi, je... Qu'est-ce que tu... Enfin, je... Ah, ça refonctionne. Ah, je pensais que tu voulais dire Pride. Bah, pourquoi ça fonctionnait plus? Ah, t'es en Bretagne, à Bernice, il pleut chez toi. C'est trop bien, la pure avec Shirley, c'est excellent. Et en général, à partir d'une certaine heure, parce que je peux pas brailler jusqu'à pas d'heure avec les voisins, ce qui est logique, donc à partir d'une certaine heure, on finit avec des blind tests. Voilà, on s'amuse avec des blind tests, on joue ensemble, quoi. On voit qui c'est qui est balèze ou pas, et tout, donc c'est assez sympa. T'aimes tout nu et tout bronzé? Ah bah alors avec moi ça va être compliqué, Shanna, parce que nu je ne peux pas, hein, sur Twitch c'est pas possible. Et bronzé? Est-ce que tu as vu mon teint de cadavre? Va falloir que je commence dès demain les UV, hein, sinon c'est mort. Hein. Pride, vous êtes... Non mais je pensais que c'était ça que tu voulais comme thème. Bah réfléchissez à un thème du coup, hein, les enfants, sauf si vous voulez qu'on fasse pas de thème, parce que... j'avais mis jusqu'au 21 juin, donc parce que c'est la fête de la musique, donc à vrai, on peut faire n'importe quoi, on peut se faire... Voilà, on peut se faire... Ah bah! Miracle! Elle a trouvé le chemin du commissariat! On peut se faire un autre thème, quoi. Allez, on va interroger le suspect de bon matin, ça y est, hein. Salut, Cartepuis, ça va bien, toi? Tu m'éblouis par ton bronzage, oui, c'est ça, un sacré bronzage. Le bronzage de l'inverse, tu sais, c'est... plus je vais au soleil, moi je suis colorée. Après, j'avais pensé à années 80, mais... là, d'ici... J'aurais pas les accessoires que je voudrais avoir. Parce que je voudrais me mettre dans le thème, donc... que j'aille dans les magasins. Vous voulez vraiment que j'aille faire les magasins? C'est vrai que cette chaleur. Moi je veux bien faire Pride, mais bon, il n'y a que moi et Martial qui veut donc faire Ado sinon. Mais non, mais après ça dépend, je vois pas en fait ce qu'on pourrait passer en thème Pride en vrai. Donc en vrai, je sais pas du tout. Je m'y connais pas assez pour savoir qui quoi, en fait. Bah oui, je sais, Martial. Je te parle en thème de musique, en fait. Mais c'est pas quoi. Gentil policier, méchant policier. Ah oui, c'est elle quand je dois cliquer, c'est vrai. Oh, alors, on va faire gentil policier. Racontez une histoire personnelle pour commencer. Comment il a mat? Tu sais, moi, je fais du sport et j'ai des sacrés muscles. Ouais. Et après, un jour, j'ai cassé mon crayon. Et ben, du coup, ça m'a déprimé. Mais t'inquiète pas, ça va mieux depuis. Hein, et je suis devenue policier et détective. Ouais. Et j'ai tué ma femme. Ah, et j'en ai rien à foutre. Elle est suspicieuse, la coquine. Elle aime bien suspicieuser. On va montrer les photos du crime, parce que quand même. Entre Cher et Vivienne Farmer, ça va remuer du popotin. Lady Gaga, Beyoncé, Mila... Oh. Bah, Lady Gaga, je veux bien, quoi. À la limite, c'est vraiment la seule, quoi. Vraiment. Je tiens pas à entendre râler. Non, mais on le fera pas. Il faut aussi que je m'amuse, sinon ça sert à rien, quoi. Je vous mets une playlist et moi, je vais bouquiner dans mon lit. Hein. Ou me toucher, ça dépendra. Shirley Pembolé. Bah, j'aime pas Beyoncé, j'aime pas Mylène Farmer. Enfin, Mylène Farmer, il y en a quelques-unes, mais c'est des vieilles. Ah, Brit, non, Brit, je valide. Mais Brit, elle est là à tous les lives apéro, hein, c'est normal, hein, c'est à Brit. N'oubliez pas que même quand je suis en train de chasser des fantômes, je chante Britney. Comment ça, t'es pas là? Bah, tu m'as dit que ce serait ton dernier week-end. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, j'ai rien compris. Montrez les empreintes digitales. Oh, mais allez, j'ai envie qu'il se fâche. Jouer le policier en colère. Je suis un homme en colère!
Fui for you, Lox. Zanala. Adish. Ah! Ah oui. Bah ouais, mais moi j'y peux rien, mon biquet. Rapusa Quenzel Bouchard Yavanur! Flamber Yabakoi! Ubawa Yavanur! Ah oui, c'est toi. Ah ouais. Ah bah voilà, hein, c'est fait. Hein. C'est fait! C'est dans la poche! Où êtes-vous? Où êtes-vous? Moi j'aime le rock and roll! Har Bodhi! Chaka Puk. Ouais. C'est mon best. C'est mes best. C'est mes best friends. En tôle, grognasse! Peut-être que t'iras également te faire engrosser. Oh punaise! On a trois vieux à faire classer. Oh madame, elle est devenue vieille. Madame, elle a pas de nom. Ah si, ah, Eri. Oh bah, ils sont, il y a trois vieux. Et ils vont mourir là. Hein. Je vous jure. Ça, ils vont mourir là. Ils ont la même tête. Les deux là, ils ont la même tête. Et madame, madame a encore peut-être un peu de sursis devant elle avant de devenir une vieille. Elle verra peut-être mourir ses trois compagnons de cellule. Et se suicidera de désespoir. J'ai oublié... Non, c'est bon, faire des amis. Faire des amis, c'est... Ok, bah écoutez, on va parler au chef, hein. Il est pas là, chef. Le chef n'est pas là, fouiller des criminels à la station d'enregistrement. Fouiller le suspect, ça, et puis on va le prendre les empreintes. Non, pas fouiller encore. On les a déjà fait 40 fois, hein, parce que c'est depuis le départ, c'est les 4 mêmes à chaque fois, mais... Ils sont en détention provisoire indéterminée. Wombo. C'est DPI. Le chef est décédé. Ah non, arrête. Oui, on est très très loin de Beyoncé, ça c'est clair. Salut Alistrel, comment vas-tu? Je passe un coup de vent pour renouveler mon abo Prime. Merci beaucoup, c'est adorable, merci beaucoup. Gros bisous à toi. Bah le 21 c'est ce week-end. Oui, c'est lundi. Mais on peut pas faire ça lundi parce que je live pas le lundi. Mais on va le décaler à vendredi ou samedi. Pas de cette semaine, la semaine prochaine. Excusez-moi. Je fais ce que je peux. Bon bah on va parler au chef, mais le chef n'est pas là. Mais regardez, on n'a rien. C'est lui le chef? Non, c'est un détective. Assistante. Officier. Assistante. Technicienne de lab. Détective. Officier. Non, là, c'est cassé. On peut pas parler au chef, hein. Pour l'instant, on peut même pas se faire assigner une affaire, on n'a pas d'ordi de libre. Toi, bah dégage, en fait. Tu m'énerves. Voilà. Peut-être que ça va nous débloquer, parce que là, on n'a rien d'autre à faire. Il est midi. Ça pue. Ils sont en CDI, indéterminés, c'est ça. Ça marche si tu appelles le chef par téléphone? Je pense pas. Devant le comico? Non. Voilà, c'est bon, ça a débloqué d'autres trucs. Comparer les informations. Comparons. Voilà. Comment elle va, Astray? Oh! C'était moi, ça? Ah non, elle s'est mariée! Astrée s'est mariée! Elle a une famille, Astrée, ça y est! Et c'est pas moi qui l'ai faite! Donc ça marche pas.
Astrée s'est mariée. Enfin, c'est Yuna. Yuna. Elle s'est trouvé un gars. Qui l'a engrossé, la coquine. Bah, les voies étaient ouvertes. Hein. C'est du tant qu'à faire. Alors, commencer un tableau d'investigation. Il n'y a que lui qui bosse dans ce comico. Mais lui, il regarde des trucs porno. Elle, pardon. Oubliez que c'était gastré. À l'étage, non, je pense pas. Personne. Il y a très peu de monde dans ce commissariat. Alors, découvrir un indice. C'est cool. Et on sait pas ce que c'est. Wesh, c'était quoi ça? C'était un moustaque? Un moustaque? Allez, patrouiller. Non. Déduire un nouvel indice. Oh merde, on va patrouiller. Parlons d'Astrée, elle est la personne qui fait partie de mon random. C'est cool! J'espère que tu lui feras une famille. Oula! Ah oui, c'est ça, cette maison. Vous savez que je l'ai jamais regardée, cette maison, en vrai. Je la détruis. Oh, il y a quelqu'un qui est mort. Et ripé. Laura de la Cruz. Ça me fait bizarre de voir les maisons de base. Parce que ben ici, moi, c'est mon petit... Ben, c'est ici, d'ailleurs, non? Non. Attendez. C'est pas ici qu'est le Lord Ennedi. Ils sont... Si, c'est là. C'est exactement ici que le Lord Ennedi se passe. Si. Bon, bah tu vas venir là. Faut que le temps que les Sims pop et ils se battent. Ah, là-bas. Je sais pas ce qu'il a dans la main, mais ça a l'air buggé. Vous battez ou vous battez pas? Jolie chevelure. Discuter avec plus de civils. Bonjour madame. Est-ce que vous avez vu quelque chose de... d'inquiétant dans le quartier, s'il vous plaît? C'est Phoebe. Une collègue est arrivée en renfort. Et tu vas où? Bah écoute. Parle-lui à elle alors du coup, présentation amicale. Bonsoir à tout le monde, j'ai vu le dernier Lord Ennedi, du moins la suite de l'aventure 2, je spoil pas. Merci Alice Trade, des bisous. Yep, elle est enceinte d'un bébé. Qui ça? Alice Trade? Brick, Hapiam, Kun Perazer. Hey, Brave Fox, how are you? Rubin. Où est ça, Tim? Va parler à Phoebe. Phoebe Bouffet. Ah, bon boy. Elle est habitant inquiet. Ah oui, c'est... Elle est représentante d'habitant inquiet. On va dire alors, Bibindom. Ah. Petite déformation de la plaque, hein. Oh, ce bide. Quelle honte. Tu t'es battu, toi? Oh, elle a bisé tout. Oh là là. Illumine sa journée. Oh, attention, tu vas te faire écraser. Attends. Il est mort.
Stevie Flina. Isafaba. Even Deso. C'est elle ta nouvelle chef? Je pense pas. Peut-être bientôt dans le lit, mais pas encore. Bon, y'a personne qui se bastonne? C'est pas drôle. Oh. Eh, mais elle, on l'avait arrêtée? Ah, elle a été libérée. Ouais. En tout cas, à peine ressortie, elle fait déjà de la merde. Elle fait déjà de la merdasse. Lui, il est colère, hein, mais il a pas envie de se battre. Et ça, ça me rend triste. Qu'est-ce que tu fais? Mais il va où? Tu vas pas jouer aux fléchettes? T'es malade? Bon, y'a personne qui veut se battre. Y'a personne qui veut se battre. Bon, bah, finis ta journée de travail, t'as raison, et puis on rentre à la baraque après. Désolé, ma code, mon PC a sauté, du coup je passe sur le tel avec la 4G. Pas de soucis, Guillaume. Tu veux pas engrosser la petite madame? Non. Oh, qu'est-ce que c'est que ces taches là? Ah oui, d'accord. Et normalement, il y a de la végétation, mais on la voit pas. Bon bah écoutez, il y a personne qui veut se battre, alors tant pis hein. Comme ça. Hein. On fait un petit tour à la campagne. Lui, il est vénère. Bon, en fait, je pense que mes voisins, ils sont vénères avec Connasse du dessus, là. Parce qu'ils marchent toujours comme ça. Ouais. Voilà. Spinohina. Cornell. Goinji. Sibara. Chambitro. Je suis toute moite de chaleur. Sabani. Funiata, John Joe Zanessa, Bahira, Plushy Zarifi. Colonel Toya au rapport. Promotion, il gagnera désormais 55 sinfus de l'heure par heure en plus, soit 205 sinfus de l'heure au total. Colonel Toya Renbo. Po. Ça c'est bon ça. Il a reçu également en bonus siège de la justice, chaise Sergent Thompson, bureau des enquêtes, meubles de rangement extraordinaire, bibliothèque rectangle avec étagère, meubles de rangement extraordinaire. Oui, d'accord, on l'a déjà eu. Meubles de rangement boing. Classeur en métal garde-doc, canapé fauteur de troubles, banc rigide et 1200 siplouzes. Eh ben, c'est un niveau 9, ça, les enfants! On est tout près de la fin de la génération pêche. Et les enfants ne seront même pas tous adolescents. On gère de mieux en mieux ce challenge, moi j'ai envie de dire. Ça devient de la pisse de chat, hein, quand même, cette histoire. Oh, colonel, regardez-moi ça. Niveau 9 du détective. Prochaine promotion, chef. Résoudre 6 affaires, c'est bon. C'est dans la poche. Maintenant, il s'agit de faire du bon taf. Et coucou, notre fille, comment vas-tu? Pom 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 pom. Pom 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 pom. Kweba. Nima shorb. Oh, les notes. Mon papa, tu vas manger. Et les filles, elles vont faire leurs devoirs après. Ah, ça va pas du tout. Et toi aussi d'ailleurs, tu vas faire tes devoirs. Ah bah. Ah bah oui, bah en même temps, ils ont une piscine, ils ont bien raison. C'est la canicule chez eux aussi, hein. Il fait très chaud. C'est le jour 4 de l'été. Et sachant que nous, on n'est pas encore en été. Vu qu'on sera en été lundi, le 21 juin.
Ça va, il n'y a pas assez de notifs, on est d'accord. Ah, mais il y avait de la bouffe là. Alors, non. C'est quoi ça? Lire sous les couvertures. Tout semble un peu sale. Bah, fais le ménage. Tu vas marcher dessus. Et là où il y a de la poufringue, tu fais le ménage. Qui c'est ça qui arrive à la maison? Oh, c'est Jenny! Oh bah ça alors, Jenny! Elle a flairé hein, que la place était libre. Hein. Elle l'a flairé de son flair retroussé. Elle sait. Oula! Salut Jenny! Comment vas-tu, Jenny? Tu vas bien, Jenny? Ah, tu vas manger les pinchos. Moi je vous dis, elle essaie de se caser. Elle dit, oh, attends, il est fluff. Attends, je vais aller lui dire une visite. Comme par hasard. Vous connaissez le hasard comme par hasard? Hey, tout le monde vient ici, vous allez faire vos devoirs. Tu vas manger pinchos. Toi, je t'avais dit. Attends, tu vas t'asseoir là. Et toi, tu vas t'asseoir là. Comme ça, il n'y a pas de problème. Oh, mais non, elle a piqué la place! Petite conne. Madame la connasse. C'est qui a des notes de merde? C'est Pomme? Attendez, je sais plus moi. Oh bah, note de merde. Ok. On va être la plus grande peut-être, non? Tu vas réussir la main tes devoirs. Tu vas l'aider quand même parce que je pense qu'elle est un peu conne sur les bords celle-ci. Elle est profini comme il faut. Oh mais c'est bien, elle fait le ménage, regardez. Elle s'est dit, attendez, ils sont tous blonds, moi aussi. Je peux tenter ma chance. Fais tes devoirs. Ouvre ta bouche là. L'éducation. Faut qu'elle sache quand même lire et écrire. Sinon, comment voulez-vous qu'elle suive une recette quand elle sera dans la cuisine? Salut Ricardo! Comment va tout? En plus, femme de colonel, ça en jette. Bah oui, Nathan. Oula! Oula là! Oh, l'éducation de ce gamin, on l'a pas faite. On va lui hurler dessus. C'est pas une excuse qu'il ait perdu sa mère. Hein. Tu nettoies. Toi, c'est le temps des devoirs aussi. Hop, tu vas faire tes devoirs et papa, il va t'aider. Allez, hop, c'est parti. Tu peux essayer d'aider les gamins à faire leurs devoirs quand même. Femme de colonel, ça gagne bien sa vie, hein, quand même, le colonel. Oh, mon colonel. On verra, la semaine prochaine, on votera si c'est Jenny on the block qui revient ou si on part sur Phoebe. C'est vous qui choisirez. Donc, YouTube, c'est pareil, si vous voulez participer, n'hésitez pas à venir sur le live, bien sûr, si vous le pouvez. Que même. Bon, on va partir sur 2 heures de live encore une fois. Je vais accélérer un petit peu. Et toi, tu fais tes devoirs, Jean-Claude, aussi. Pas d'excuses. Hein. C'est parce que t'as un menton de, qui sert de défense aussi contre les agresseurs que ça y est, hein. Faut te croire tout permis. Hein. Que même! Bah, Jenny, là, je la reconnais. Ça, sans notre tenue, je la reconnais pas.
résolution de conflit. Ce tapis. Mais t'as fini tes devoirs, toi, ou t'as fait de la merde? Ah, t'as fait des devoirs, ok. Écoute, papa, il discute, et puis après... partager des astuces de Sims sociable. Des astuces de Sims sociable. Ça fait beaucoup de S, hein. Réputation extraordinaire. Voyons, mais c'est normal. Voyons, c'est toi, voyons. Il est détective, il est colonel, s'il te plaît. Il est paripou, alors il peut être que extraordinaire. Et Jenny l'a senti. T'attends l'orage à 3h du mat. Demain, première épreuve de bac. Aïe, 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 aïe. Eh ben merde, Yoshi. Grosse merde, Yoshi. Voilà. C'est tout. T'es pas obligé de dire quelque chose après. Comment ça, il a fait de la malice? Staffy. Vous voyez comme bon père modèle il fait. Il aide ses trois enfants à faire leurs devoirs et tout. C'est mignon, hein. On t'ira te coucher. Et toi aussi. Et toi aussi. C'est merveilleux. Et toi, tu vas pisser, te doucher et dormir. Je stresse le moins à faire avec. Oh, bah. T'inquiète, je comprends. I understand very much. Mais pourquoi t'es tendue en fait? Tout semble un peu sale, mais. Et elle? Ce n'est pas comme ça d'habitude. Bah, d'habitude, t'as ta mère, hein, sauf que là, elle est morte. Oh, oh là là, mon dieu, c'est sale! Bah, tu prends le balai. Et tu passes. Ou l'aspirateur, en l'occurrence. Jenny? Tu peux. Ouais, elle est partie. Ce que j'allais dire. Elle est là. Oh, la coquine, elle le sait, hein. Elle se dit, ouais, attends, il était à poil, attends. Eh, comme par hasard, hein. Comme par hasard, elle va passer derrière la maison, là où il y a les fenêtres des salles de bain. Eh. Je regarde si elle regarde. Pour que, comme par hasard, elle tombe dessus. Putain, il y a des flics partout. Ça grouille de partout. Hé, hey, Totoya. Et voilà. Il va faire dodo, c'est très bien. Non, il n'y a personne qui se réveille, il n'y a personne qui hurle, ça suffit maintenant. Moi, je m'arrête là, on enregistre. Et heureusement que ça n'a pas planté du tout pendant tout ce live. C'est déjà une très très grande chose. Moi, je vais vous quitter là pour cette rediff YouTube. J'espère que ça vous aura plu. On avoisine encore les 2 heures. Je pensais qu'on ferait beaucoup moins. Mais bon, ça valait le coup puisqu'on est au niveau 9 de la carrière. Il nous reste juste le niveau 10 à atteindre et nous aurons fini, terminé la génération pêche. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Dire aussi si vous préférez dans ce cas-là Phoebe ou Jenny pour la future femelle de Toto. Parce qu'il faudra bien qu'elle fasse le ménage. Oh, c'est sexiste ce que je dis! Mais bien sûr que c'est sexiste! Mais c'est fait exprès! Hein. Je ne cautionne en rien tout ça. Enfin bref. Je vous fais des très gros bisous. On se voit la semaine prochaine. Ou pas. Voilà. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.